bientôt plus de 40 minutes de Hit à la suite. Et juste avant ça, on sait Avicii, Beyoncé et l'actu, 9h. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plath. Bonjour, le mercure a encore pas mal grimpé aujourd'hui pour se stabiliser vers 30 degrés cet après-midi. Un beau soleil au programme et ses premiers rayons commencent déjà à bien réchauffer l'atmosphère. On a relevé 24 degrés tout à l'heure à Beausoleil et Castellar. Il y aura un petit peu de vent cet après-midi sur le littoral, des rafales qui ne passeront guère les 50 km/h. On prend la route avec actuellement un trafic fluide sur la 8 comme sur les corniches, mais ça va se gâter. Week-end de chassés croisés oblige entre ceux qui rentrent et ceux qui partent. La circulation devrait donc déjà bien se charger ce matin entre Nice et l'Italie dans les deux sens de circulation. Bison futé hisse le drapeau rouge. Demain, lundi à Malin, voie du noir au niveau national avant de l'orange pour dimanche. On jette un œil au prix des carburants à la pompe avant de prendre la route. Le gasoil s'affiche à 1,14€ en hyper à Menton et même 1,08€ sur Nice. 1,38€ pour le samplon 95. Si vous roulez au GPL, le bon plan est toujours d'aller faire le plein du côté de Vintimille avec un litre à 65 centimes. Et pour des vacances encore plus économiques, certains choisissent de covoiturer. Mais qui sont-ils? Les 18-25 ans d'un site très connu représentent 36% des membres. Au volant, 14% d'étudiants. Majoritairement, ce sont les cadres qui conduisent. Sur les sièges passagers, 2/3 d'actifs, 28% d'étudiants. De plus en plus d'indices convergent vers le vol MH370. Le morceau d'aile retrouvé à La Réunion pourrait bien appartenir au Boeing de la Malaysia Airlines. Pour en être certain, le débris va être envoyé près de Toulouse pour y être analysé dans un labo spécialisé la semaine prochaine. L'avion a mystérieusement disparu au-dessus de l'océan Indien en mars 2014 avec 239 personnes à bord, dont 4 Français. Le train, le plus cher en 2016, nouveau tarif à partir du 1er janvier, plus 2 centimes pour le tarif lent, le timbre vert passera à 70 centimes, plus 4 centimes pour la lettre prioritaire, le timbre rouge coûtera 80 centimes. L'AS Monaco Basket continue son marché. Amarassi, ailier fort de Lyon-Villeurbanne, vient de s'engager avec le club de la Principauté, promu en Pro A. C'est la 8e recrue monégasque pour la nouvelle saison qui débute en octobre. Puis pour finir, une initiation gratuite aux loisirs nautiques à la mode en ce moment, le stand-up paddle. Rendez-vous demain sur la plage de Carnolès entre 10 et 17h. Vous serez encadré par des pros du sport nautique. Surfshop.fr pour plus d'infos. Voilà pour votre actu 9h02. Très bon début de journée à vous et bon week-end.